histoire de Loublan, eh bien, c'est simple. Je suis restaurateur de meubles anciens. Un jour, on m'a proposé de restaurer un baby-foot. Et puis, donc, je me suis mis à restaurer des baby-foot. Comme c'est une ancienne passion d'ado, ben, forcément, ça m'a bien plu. Et j'ai continué parallèlement à la restauration de meubles à restaurer des baby-foot. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à fabriquer des baby-foot, à créer des baby-foot, voilà, tout simplement. J'aime bien être je suis à l'affût un peu de tout ce qui peut se faire et qui ne se fait pas dans ma branche, dans mon domaine. Parce que je ne peux pas lutter contre les industriels si je fais la même chose, donc il faut chercher à innover. Et puis en plus, bah, l'échange avec des jeunes, avec des étudiants, enfin, c'est la passerelle entre les étudiants et puis l'entreprise, c'est quelque chose d'intéressant pour tout le monde, quoi. Je trouvais que c'était une super initiative. Fanny, j'ai pas voulu lui donner trop de directives, je lui ai simplement demandé de réfléchir à un concept qui permettrait à des gens qui n'ont pas de place dans leur habitat à dédier au baby-foot de pouvoir intégrer ce jeu. Avec Pascal Joulin, directeur de l'entreprise Loublan spécialisée dans la fabrication de baby-foot, nous avons voulu reconsidérer la forme typique de cet objet. Le point de départ du concept consistait à intégrer le baby dans des espaces restreints, comme des petits appartements. J'ai également cherché à toucher un public plus féminin et plus jeune. Donc à partir de là, j'ai établi un univers de référence qui m'a permis de commencer à faire mes premiers croquis. Donc du coup, j'ai voulu réaliser un baby-foot escamotable qui puisse se plier et se déplier à volonté grâce à une charnière en bois et en métal qui nous permet de passer de la configuration table basse à la configuration table de jeu. Donc du coup, pour le projet, j'ai voulu me référer à un univers coloré qui me permet de considérer le baby-foot comme un mobilier à part entière de notre environnement domestique. Ce partenariat m'a permis d'investir l'univers de l'artisanat. Pascal m'a énormément appris d'un point de vue technique et humain. Et en plus de ça, le projet a une dimension écologique car le baby-foot est entièrement réalisé en châtaignier du Limousin. Moi, l'expérience était vraiment intéressante parce que déjà, je n'ai pas l'habitude de travailler avec une personne. Je travaille tout seul depuis des années. Donc forcément, ça perturbe, ça modifie la façon de travailler. J'ai eu la chance de collaborer avec une personne vraiment intéressante, vraiment sympathique, agréable, enfin, à tous les niveaux. Et en plus, l'expérience, je trouvais intéressante au niveau, après, dans la relation entre l'artisan et le designer. C'est-à-dire que ça m'a apporté, je pense que je vais développer ce côté-là, c'est-à-dire que on a un savoir-faire, mais une compétence extérieure dans le domaine du design nous apporte énormément. Donc à ce niveau-là, j'ai appris pas mal de choses et je pense que je vais continuer à explorer cette voie-là.